Murnau est né en 1888 dans une famille assez aisée. Et le jeune Murnau est très vite intéressé par le domaine artistique. Il a été fasciné par le théâtre. Il part à Berlin et là, il prend contact avec le plus grand metteur en scène de théâtre allemand à l'époque, Max Reinhardt. Le même Max Reinhardt a quasiment formé le cinéma allemand, Lubitsch, Murnau et bien d'autres sont passés chez lui. Murnau à la fois fait l'acteur et aussi commence à s'intéresser à la mise en scène. Si Murnau était très intéressé par la peinture, il a été un tout petit peu peintre, je crois que le traitement de l'espace cinématographique lui semblait beaucoup plus intéressant, en tout cas beaucoup plus riche. Par ailleurs, le goût aussi de la direction d'acteur, qui sera chez lui de plus en plus maîtrisée, absolument parfaite. Il a une très forte sensibilité et cette sensibilité est marquée très jeune par des désirs qui sont des désirs de l'ordre homosexuel. Murnau vit cette homosexualité, il va l'assumer finalement très bien, mais en même temps, il ne peut pas échapper à la violence d'une culpabilisation qui, à l'époque, évidemment, était très intense en ce qui concerne l'homosexualité. Ce sentiment de culpabilité va entraîner une idée de faute, une idée de destin, et de destin qui lui sera absolument fatal. Donc ce sont toutes ces conditions qui vont l'entraîner à venir au cinéma, et on s'aperçoit que si cette œuvre est si forte, c'est parce que tout simplement elle est nourrie d'une fantastique réflexion, d'une fantastique connaissance de tout ce qui se faisait à l'époque en Allemagne et de la culture non seulement allemande, mais universelle. Le premier film de Murnau, ça reste pour lui un champ d'expérience. Le problème qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces films-là ont été perdus, donc on ne sait pas exactement ce qu'ils étaient. Et donc on ne peut pas véritablement les juger. Et il est difficile à ce moment-là de voir l'évolution même du style de Murnau. Il y a un film, entre autres, qui avait été considéré comme totalement perdu, c'est Phantoms. Ce film a été retrouvé, donc on ne sait jamais, il peut y encore avoir des films perdus de Murnau qui seront retrouvés. Les grands films de Murnau, ce sont ceux que l'on connaît encore. Alors, il y a d'abord Nosferatu, évidemment, qui est le premier film de vampire. Et puis ensuite, il va y avoir 2 ans plus tard, Le Dernier des Hommes. Et ensuite, Faust, Tartuffe. Et au passage aux États-Unis, avec L'Aurore, avec City Girl, et avec son dernier film, Tabou, qui est un film polynésien. Ce qui est intéressant, justement, quand on prend Nosferatu pour arriver à Tabou, d'abord de se rendre compte que le thème du vampire traité directement et visiblement dans le film est un thème qui parcourt toute l'œuvre de Murnau. Mais ce qui est vraiment remarquable dans Nosferatu, c'est que Murnau fait un film fantastique. Il va prendre le parti non pas de jouer le fantastique, donc un monde artificiel, mais au contraire, va se faire se passer, se dérouler toute l'action dans des décors réels, dans des paysages réels. C'est une sorte de travail sur la réalité et la façon dont cette réalité est elle aussi peu à peu entamée par le fantasme et donc vampirisée par le fantasme.
Il faut aussi comprendre que Nosferatu se fait à l'époque du début de l'expressionnisme dans le cinéma allemand. Il va essayer de transporter ce qu'apporte l'expressionnisme dans toutes les formes possibles qu'il va travailler. S'il tourne Nosferatu dans un décor réel, le dernier des hommes ne sera tourné que dans un studio. Murnau se sent libre d'expérimenter tout ce qui est possible au point de vue technologique et d'inventer totalement. C'est en particulier lui qui invente le mouvement de caméra qui libère non seulement le côté statique, mais surtout qui devient un élément majeur de la dramaturgie, quelque chose qui entraîne la dramaturgie. Donc ça donne en effet une invention absolument étonnante qui nous frappe encore aujourd'hui, ce n'était pas du tout uniquement que d'époque. Alors, Le dernier des hommes n'aura pas un grand succès public, ni en Allemagne, ni en Europe, ni en Amérique. Mais dans le monde du cinéma, c'est la stupéfaction, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais fait ça. C'est parce qu'il y a eu Le dernier des hommes qu'en 1925, William Fox, donc le fondateur de la société Fox, forcément, demande à Murnau de venir pour tourner l'Aurore. William Fox a ses bureaux à New York. Évidemment, Murnau va à Hollywood, si bien qu'il n'est absolument pas gêné et il a bourse déliée. Je crois qu'il n'y a jamais eu, dans l'histoire du cinéma, un metteur en scène qui a été aussi libre dans le tournage d'un film, qui s'est permis autant de dépenses supplémentaires, d'excédents. Donc ça donne en effet ce film tout à fait extraordinaire qu'il a pu maîtriser de A à Z et donc qui est aujourd'hui l'Aurore. Sur le tournage, il y a eu des choses intéressantes. Par exemple, il prend un chef opérateur américain qui va être celui du film, Rocher, lequel Rocher, il le fait venir sur le tournage de Faust, parce qu'il trouve que Rocher a des recherches de lumière qui pourraient l'intéresser. Et si bien que Rocher voit sur le tournage de Faust la façon de travailler de Murnau, et leur collaboration a été évidemment tout à fait remarquable. En même temps, il fait venir à Hollywood un metteur en scène par ailleurs, mais surtout un décorateur qui est Greers, et le travail entre l'image, le décor et la mise en scène est poussé à un degré extrême. C'est pour ça que c'est un travail de collaboration très stimulant et que les gens gardent du travail avec Murnau des souvenirs extraordinaires. Enfin, tous disent qu'ils ont tourné en fait leur plus beau film. Comme le film n'a pas eu le succès commercial attendu, les sanctions se sont fait immédiatement sentir et il a eu beaucoup plus de mal à tourner les deux films suivants. Et même écœuré par Hollywood, il quitte Hollywood en 1929-30 pour aller dans le Pacifique. Et c'est là où il va tourner Tabou, son dernier film. Tabou qui est aussi tout à fait intéressant et en effet où il retrouve quelque chose de Nosferatu. Là, il ne va tourner qu'en décor naturel, donc comme une sorte de documentaire, et en même temps va refuser absolument et totalement tout mouvement d'appareil. Il revient au plan fixe, et c'est tout aussi fantastique et tout aussi beau que lorsque la caméra bouge tout le temps, comme il a su le faire admirablement bien. Quand le cinéma muet démarre, c'est-à-dire en 1895-96, on ne sait rien de ce que c'est que ce nouvel instrument. Simplement, c'est de la photo qui bouge, c'est tout. C'est de la photo qui bouge, et dès 1900, on va en faire du théâtre. C'est-à-dire qu'on va filmer comme au théâtre, parce qu'on ne connaît pas du tout les façons d'utiliser ce nouveau langage. Il faudra attendre les années 1910-1915 pour arriver, par le montage d'ailleurs, à un début de langage cinématographique. À partir des années 1920, il va y avoir une sorte de
de débauche de cinéastes qui vont chercher à véritablement inventer le langage cinématographique, et c'est d'autant plus intéressant que ce langage se fait en même temps avec le public. Donc toute la passion de Murnau était d'essayer de trouver comment exploiter, comment inventer ce langage, et comment à ce moment-là le spectateur rentre dans ce langage et en fait évidemment un art qui le concerne profondément. En 1930, enfin disons 28-30, le cinéma muet cesse d'être muet et devient parlant. Murnau n'a pas le temps de faire un film parlant. Qu'est-ce qu'il aurait fait des sons? Qu'est-ce qu'il aurait fait des sons d'autant plus que quand on regarde un film de Murnau, on s'aperçoit qu'il filme le son et qu'il nous force à écouter et à entendre le son. Il invente le son au cinéma, mais uniquement que par l'image. Donc, il meurt à 44 ans dans un accident de voiture en allant à Chicago présenter justement Tabou, et imaginer ce qu'aurait apporté Murnau au cinéma parlant, c'est évidemment quelque chose de tout à fait, je dirais de science-fiction peut-être, mais en tout cas, qu'est-ce que ça fait rêver? Qu'est-ce que ça fait regretter, mais en même temps aussi, qu'est-ce que ça rend très, très grand, cet immense, immense cinéaste.